Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. En ce lundi de la fête du travail, 6 septembre 2021, 9h53 heure du Québec dans cette pandémie permanente, mais il y a de l'espoir, le Danemark, comme je vous l'avais déjà dit, a, a euh, mis fin au passeport sanitaire, qui, était, eux, étaient les précurseurs du passeport sanitaire au mois de mars, je pense, à avril, qui avait commencé à l'instaurer dans certains secteurs jusqu'à ce qu'on l'étende partout. A mis fin à ça, mis fin au port du masque, mis fin à tout en disant que la pandémie était sous contrôle, que le virus ne représentait plus un danger. On verra comment ça va se dérouler pour nous. Puis, comme le disait Christian Dubé, le ministre de la Santé du gouvernement du Québec, de François Nagant, il va falloir qu'on s'habitue peut-être. Il dit peut-être qu'il va falloir qu'on s'habitue à avoir des morts, puis à vivre avec les morts. Ben, C'est parce qu'il y a toujours des morts à tous les jours partout dans le monde, pour toutes sortes de raisons. Puis il y en a pour des virus de grippe, il y en a pour des virus SARS-1, SARS-2, comme celui qu'on a en ce moment, puis il y en aura pour d'autres, puis il y en aura pour d'autres et d'autres et d'autres. On ne peut pas arrêter le monde de vivre, envoyer tout le monde dans la misère avec un virus économique, puis de penser qu'on peut sauver tout le monde. Voyons. Ces gens-là vivent dans des bulles d'une autre dimension, il ben, va falloir qu'on s'habitue à avoir des morts. Ben, C'est parce que je ne sais pas si tu regardes la liste des décès chaque jour dans le monde, mais ben, il y en a beaucoup. Puis pour toutes sortes de raisons. Il faut qu'on commence à penser à qu'on peut sauver tout le monde de tout contre, quoi, contre tout. Il faut vraiment être illuminé. Ces gens-là sont plus qu'illuminés. Christian Dubé est un illuminé du gouvernement de François Legault. De venir dire aux Québécois bien là, vous allez, vous allez être obligé de vous habituer peut-être. Si on veut revenir à la normale, vous allez être obligé de vous habituer à ce qu'il y a des morts. Ben, C'est parce que Bon, en chaque virus de grippe, à chaque année, il tue en 3 000, et 5 000 personnes au Québec. Là. Lui, il est plus virulent, peut-être, il en a tué un petit peu plus, puis dans le monde aussi. Mais il faut, faut, faut en revenir. On va garder le monde serré dans les crous, puis dans les taux pendant combien de temps? On a transformé ça en virus économique. On détruit la vie de milliards d'individus. Le virus est là, est virulent, mais est-ce qu'on va arrêter de tourner, puis de faire tourner la Terre à chaque fois qu'il y a un virus virulent Je pense que c'est complètement euh, irrationnel. Pendant ce temps-là, Israël, eux, prévoit d'administrer la quatrième dose de vaccin qui pourrait être ajustée pour lutter contre de nouvelles variantes, alors que le pays lutte contre une vague d'infection, malgré un déploiement de vaccins extrêmement réussi, nous rapporte le Daily Mail. D'aujourd'hui. Cela survient alors que le pays traite des cas en plein essor malgré le fait qu'il ait ouvert la voie au euh, vaccin. Le Tsar national du coronavirus du pays dit que les gens devraient s'attendre à recevoir un nouveau vaccin contre le virus plus fréquemment, tous les 5 à 6 mois. Israël devrait distribuer des vaccins spécialement adaptés pour faire face aux différentes variantes du corona d'ici fin 2021 ou début 2022. Wow! Israël est sur le point de commencer les préparatifs pour administrer les quatrièmes doses de vaccins contre le coronavirus, alors que le pays fait face à une augmentation des cas malgré, des cas, malgré son déploiement pionnier hein, de vaccins. Le tsar national du coronavirus, Salman Zarkan, a déclaré que le pays devrait se préparer à une quatrième injection qui pourrait être modifiée pour mieux se protéger contre les nouvelles variantes. Étant donné que le virus est là et continuera d'être là, nous devons également nous préparer à une quatrième injection, a-t-il déclaré. C'est notre vie désormais par vagues. Le mois dernier, il a déclaré au Times of Israel que les gens devraient s'attendre à recevoir plus de vaccins pour faire face aux nouvelles variantes. Il semble que si nous apprenons les leçons de la quatrième vague, nous devons considérer la possibilité des vagues ultérieures avec des nouvelles variantes, telles que la nouvelle variante d'Amérique du Sud, a-t-il déclaré à l'époque. En pensant à cela et au déclin des vaccins et des anticorps, il semble que tous les quelques mois, cela pourrait être une fois par année ou cinq, ou aux cinq ou six mois, nous aurons besoin d'une autre injection. Il a ajouté qu'il s'attend à ce qu'Israël reçoive des vaccins spécialement adaptés pour faire face aux différentes variantes du virus d'ici fin 2021 ou 2022, alors qu'Israël enregistre un nombre record de cas dans sa quatrième vague les vaccins protègent toujours contre les maladies graves, les décès de covid étant environ la moitié du niveau de sa deuxième vague. les statistiques compilées par l'équipe de recherche our, uh, our world and data, soutenue par l'université d'oxford, montrent qu'il y a eu mercredi un record de 1,892 cas de covid par million d'habitants en israël, soit près de 0.2% de la population totale en une seule journée. c'était nettement plus élevé que la deuxième euh, euh, ou le deuxième taux. Euh, la Mongolie, apparemment, la plus touchée, où le taux était de 1 1119 par million, et le double des chiffres de Kosovo, 980, de la Géorgie, de le Monténégro, et ainsi de suite. Le chiffre ne tient pas compte que, que d'une journée de tests, et on pense que le taux élevé d'Israël a, a été entraîné par une énorme poussée de, de tests avant la réouverture des écoles là-bas. Mais le pays a régulièrement signalé certains des taux d'infection les plus élevés au monde depuis la mi-août au milieu d'une troisième vague sans précédent, bien qu'il soit l'un des pays les plus vaccinés au monde. Les cas graves ont culminé à 753. Dimanche dernier, le ministère de la Santé signalant 654 personnes qui étaient dans un état grave vendredi. Donc, je ne sais plus, c'est la pandémie permanente, comme je vous l'ai dit. Comment ça va se terminer? Vous le savez autant que moi, peut-être, ou peut-être pas, mais on n'est pas sorti de l'auberge, comme dirait l'autre. Je vous reviens.